Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le passé doit servir le présent, nous disait Mao. Mais nous pourrions tout aussi bien dire que le passé de la Chine nous permet de mieux comprendre son présent. Même si le consumérisme continue d'uniformiser les niveaux de vie mondiaux, la Chine est en soi un autre monde que je vous invite aujourd'hui à découvrir. Comment comprendre la Chine sans connaître les facteurs géographiques, historiques, sociaux ou encore culturels qui ont façonné une mentalité à part entière? En premier lieu, le divin et l'humain ne font qu'un, contrairement à tant d'autres civilisations. Il n'existe donc pas de conception rituelle ni religieuse. Par contre, chaque individu sait qu'il n'est que l'infime partie d'un tout beaucoup plus important, où ce qui est irrationnel, voire irréel, garde toute sa place. Aussi, le surnaturel paraît d'autant plus normal et est intégré comme réalité de la vie. Les mystères existent, ils ont toute leur place, sans essayer d'y chercher une réponse. La religion se doit d'être efficace, qu'il s'agisse du culte des ancêtres impériaux, des dynasties, des parents ou encore des lignées familiales. Cette vision a permis facilement au bouddhisme de s'installer en Chine pour atteindre son apogée sous la dynastie des Tang entre le 7e et 9e siècle. Déjà, sous la Chine archaïque, les Chinois descendants des Han, dont 90% de la population fait partie, ont toujours été un groupe démographique fort et en croissance plus élevé que le reste du monde. Conditions climatiques et autres phénomènes permettent d'affirmer que 125 000 ans auparavant, des jeunes femmes Han pouvaient conserver 2 à 3 de leurs enfants parmi la dizaine qu'elles avaient enfantés. Au niveau organisation, les Han très nombreux ont dû rapidement mettre en place une gouvernance pour éviter le chaos, dans un souci du bien-être économique et social de la majorité. Pour les Han, le jeu est l'ennemi mortel du nous. La croissance de la population chinoise a toujours demandé une organisation rigoureuse pour nourrir les bouches affamées, d'où l'agriculture intensive, cette mise en place économique, sociale et militaire caractérise le premier état de la Chine. Toute son histoire a été une alternance entre ordre et chaos, stabilité, révolution, centralisation et émiettement du pouvoir politique. Les Chinois ont une forte capacité de résilience dans les moments difficiles et de joie visible dans les moments plus lumineux. Au fur et à mesure que la société chinoise a affiné son organisation, le sentiment diffus que la Chine est le pays du centre, l'empire du milieu, s'est imposé. Le centre est considéré en Chine comme la 5e direction après celle des 4 points cardinaux. Aussi, l'ailleurs, les autres contrées, en deviennent inexistantes. Il n'y a d'ailleurs que depuis très peu de temps que les Chinois voyagent à travers le monde. Un formidable exemple de cette attitude est la muraille de Chine. Un grand mur de 6000 km dont la construction évoque cette idée d'empire clos, l'impossibilité d'y entrer sans permission, mais également l'impossibilité d'en sortir car la Chine n'a jamais souhaité empiéter dans son évolution antérieure sur d'autres territoires, se suffisant à elle-même. Le peuple chinois a toujours commercé avec les contrées extérieures, même si cela a été par petites touches, les échanges économiques, démographiques, culturel et religieux avec le reste du monde, montre l'instinct commercial que portent naturellement les individus vers l'échange avec autrui. Un aspect qui diffère de notre culture et qui est essentiel est la notion du temps. Si chez nous, il s'agit d'un sablier qui se vide, chez les Chinois, il s'agit d'une roue qui tourne. Chez nous, le temps est linéaire, nous ne le rattrapons pas. Il défile jusqu'à notre mort, alors que dans la culture chinoise, le temps est cyclique, le temps ne se perd pas, à un moment donné finit toujours par revenir comme les saisons ou bien encore une réincarnation
selon la philosophie bouddhiste. Le compagnon quotidien est le calendrier astrologique, ou dit plus simplement, le livre journalier. Véritable guide codifié, il avait une valeur sacrée, mettant en relation les saisons, les mois, les jours, avec les cinq éléments. Dans un almanach du IVe siècle, nous pouvions lire « Si vous faites tailler vos vêtements le 14e jour du mois, ils plairont à autrui. » Selon ce calendrier traditionnel, la journée se décompose en 10 moments. Le matin, avant que le soleil n'arrive au zénith, le midi, le moment où le soleil penche vers l'ouest, le moment entre le coucher du soleil et l'obscurité, le moment du coucher, minuit, le cri du coq, la pointe du jour et le lever du soleil. Aujourd'hui encore, des familles possèdent ce type d'almanach pour leur permettre de programmer leurs projets en période propice. Les animaux du calendrier représentent l'année en cours. Il s'agit respectivement du rat, du bœuf, du tigre, du lièvre, du dragon, du serpent, du cheval, du bélier, du singe, du coq, du chien et du cochon. Le Tao est le concept profondément ancré depuis la haute antiquité. Il s'agit du principe d'ordre qui régit le monde de l'homme et le cosmos. Il découle de la conception cyclique du temps appliquée à l'univers. Il s'agit donc de suivre l'harmonie universelle, où chaque élément est à sa place, selon un schéma parfaitement illustré par le yin et le yang. Dans la grande bibliothèque de l'univers, chaque livre doit être rangé à sa juste place. Aujourd'hui comme hier, le bien-être de l'individu passe donc par la vérification constante que son corps et ses actes sont en adéquation avec le ciel, représenté par la divination et l'astrologie, avec la terre, avec la pratique du feng shui et de la géomancie, et des cinq éléments constitutifs de toute chose. Que tout soit correctement appareillé avec leurs correspondants, qu'il s'agisse des couleurs, des odeurs, des saveurs, des directions ou des vents. Pour de nombreux Chinois, être en harmonie avec ce qui nous entoure, manger la juste quantité de nourriture, se poser dans l'espace sans gêner autour, reste des préoccupations premières. Cet ordre qui régit le monde, le Tao, a besoin du Qi, ou souffle vital originel. Le dynamisme perpétuel de l'univers provient du Qi. Il est créateur de toutes choses. De même que sans énergie rien n'est possible, sans qui il n'y aurait ni univers, ni création. La matière, qu'elle soit ou non vivante, liquide ou solide, résulte de la coagulation des souffles originels et des énergies vitales sans lesquelles elle n'existerait pas. C'est le qui de chaque chose qui détermine sa place dans l'univers et son propre cycle de vie et de mort, c'est-à-dire de passage du yin au yang, car dès qu'un des principes atteint son apogée, il se change en son contraire. Ces changements sont réversibles, aussi, retrouver son qi chez les individus est naturel. C'est pour cela que dans les grandes villes chinoises, nous pouvons voir des scènes d'arts martiaux dans les rues, ou encore la contemplation de certains envers la nature. Il est impératif d'être connecté au souffle naturel, à son qi. Attention, entre yin et yang, il ne faut pas y voir le bien et le mal, mais plutôt deux principes antagonistes et complémentaires qui caractérisent tous les êtres et toutes les choses. Tout a un contraire qui est aussi son complément. Le yin représente les notions d'obscurité, de froid et de passivité, alors que le yang représente la lumière, la chaleur et l'activité. Par ces deux éléments se manifeste le Tao, principe d'ordre qui gouverne l'univers tout entier. Vous l'aurez compris, la Chine est tout un univers à appréhender. Avec plus de 5000 ans d'existence, il est tout simplement impossible de tout dire en une chronique. J'espère ici, par cette première approche, vous faire apprécier la découverte d'un peuple étonnant et fascinant. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois? Green, absolument. Green.